continue. Bonjour tout le monde, ici Yakipon de retour sur Pokémon Bleu. Donc oui, la dernière fois nous avons pété la tronche à Morgane et nous avons récupéré Force, nous avons renommé Totogro. On a fait pas mal de choses, je vous l'accorde. Évidemment, nous avons éclaté Morgane avec Melodelph, hein, je crois que ça y est, c'est notre Pokémon par excellence. Non, c'est pas ça. Et voilà, je suis super content que ça fonctionne vachement bien avec elle. Donc nous chopons le super bonbon, on fait objet le super bonbon, on le met à miracle parce que je pense que ça va être un de nos Pokémon clés, mais alors très clé. Mais sinon tout va bien et vous, que se passe-t-il dans votre vie? Je me pose la question. D'accord, absolument rien. Vous m'avez pas répondu, vous ne pouvez pas de toute façon. Bref. Donc nous allons à Bourges-Palette pour aller directement à Cramoisil via le bas. Hein, tout simplement. Non, c'est pas là. Et nous partons à dos de Totogro. Dans l'eau. Voilà, tout simplement. Vu que, voilà. Je vais vous faire un petit aveu. C'est que je sais que nous sommes en retard. Oui. Nous sommes en retard sur Ralga. Alors Raga gère beaucoup Pokémon, ce qui me déplaît, évidemment. Et je suis en retard sur lui, voilà, il a fait des meilleurs temps que moi à la fin de Koga, vu que lui, il a fait Morgane en premier. Et je suis un peu déception, comme on dit dans le milieu. Je suis déception, je suis PLS, et ça se joue à rien, et ça me saoule. Bref, nous voici donc à Cramoisil, et l'arène de Cramoisil est fermée. Oui, il faut une clé. Et donc, il faut commencer... Oh mon dieu. J'ai tellement envie de le capturer et de l'appeler Tauren. Mais bon, on le fera pas. Donc oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on est en retard. Et je ne sais pas comment je vais gagner du temps. Tout simplement. Parce qu'il a fait des scores de fou. Et ça me saoule. Mais j'espère me rattraper sur le manoir Pokémon. Parce que je le connais à peu près par cœur. La musique est vraiment sympa. J'espère ne pas faire d'erreur. Et je crois que mon super repousse ne fonctionne pas. Tout simplement. Je crois qu'il ne fonctionne pas. Oui, je me suis dit qu'on allait tuer les Pokémon que l'on trouve dans le manoir. Tout simplement pour avoir un peu d'XP avec Totogro. Parce que je crois que c'est lui qui va nous tanker l'arène d'Auguste. Et voilà, tout simplement. Bon, alors j'ai 2-3 choses à faire. J'ai un objet à récupérer là-bas. Et j'ai pas mal d'objets à récupérer en fait dans le manoir. Donc je vais perdre un peu de temps, tout simplement. Parce que voilà, je sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Merde, c'est pas bon ça. J'avais oublié que Tadmor avait une grosse... Une très grosse défense P. C'est quand même incroyable. Oh non, il est empoisonné. Ça me plaît pas. Le repousse qui fonctionne vachement bien. Oh merde. Bon, lui, on va essayer de le buter. 40. 40. On va essayer de le tuer pour avoir pas mal d'XP. Eh, vous savez quoi, j'hésite même à le capturer, parce que j'ai un Pokémon qui me servira à rien dans mon équipe. Et un gros tas de morts fait toujours bien mal au cul. Ouais, non, flemme. Oh, petite pute! Il a Lilliput! J'hésite à le prendre. Enfoiré. Ouais, non, on va le tuer. Ça nous fera de l'XP. Entrave. Pan! Merci le Lilliput qui est pas passé. Voilà, au revoir. C'est tout? Ah non, non, c'est parce qu'il y en avait deux, j'ai eu peur. Allez, on va récupérer... Voilà, là, il y a une bouboule. Ah non, c'était pas du tout ça que je voulais, moi. Bon, c'est pas grave. Normalement... Oh, j'ai failli louper l'objet clé. Hop! Oui, en fait, toutes les statues
ont un interrupteur qui permet d'ouvrir des portes. Je crois que c'est là. Oui, c'est là. On ramasse les objets. Déjà, bon. Pour ce qui m'a servi. Merde. Ah, déjà. Donc, nous allons utiliser notre fer sur miracle. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai? Hyper potion. Non, méga canne. Non, une huile. Allez, on vire l'huile. Je sais que généralement, quand je vire un truc, ben, je l'ai dans le fion après. Un carbone. Nous allons l'utiliser sur Mélodelphe. Parce que je pense que c'est elle qui va nous tanker tout le reste. Tellement elle est balèze. Et lui augmenter la vitesse n'est pas de refus. Je n'ai même pas bougé. Je me fais agresser. C'est pas grave. Bon, le peu que t'es là, Toto Gros, tu vas tuer les gens. Hein. Voilà, tout simplement. Ah non, je souffre. S'il m'enlève coup de boule... Non, c'est bon. Au revoir. Merci beaucoup. Tant pis, bah au pire, je ferai un repos. Alors, je crois que c'est par là, maintenant. Oui, c'est là. Alors, j'ai deux items à récupérer. Voire trois, je crois que... Ah oui, il y en a pas mal, en plus. Bon, on va les utiliser de suite. Salaud ! Il se retourne. Je sais que je perds du temps à taper les Pokémon, mais j'ai en fait j'ai peur pour mes niveaux, quoi, tout simplement. Oh merde. Oh merde. Mais c'est pas trop grave, mais... ça. Ouais. Donc j'ai pas mal d'objets à prendre, et puis de faire des combats, ça peut me foutre dans le mal. Mais c'est pas grave. Alors, il y a ça. Bon. Alors, je crois qu'il me faut toucher à cet interrupteur. Sans blague. Alors, je crois qu'il y a un truc là. Oui. Un guérison que je pourrais utiliser sur... Oui, je vais faire ça. De toute façon, je m'en fous. Hop. Alors, guérison. Oui, sur Toto Gros. Parce que ça va le soigner et en plus ça va enlever le poison. Voilà. Ensuite, deuxième item à utiliser, là c'était que je me souvienne ce que c'est. Blizzard, voilà. Oui, j'apprends Blizzard. Alors j'hésite. Parce que c'est très bien. Je vais le mettre à Toto. Oui. On va oublier Amnésie pour l'instant. Oui, je sais, il a déjà de l'eau, j'ai déjà Miracle, Kamachin, mais Blizzard, ça tape tellement fort que... On garde. Ensuite, on va là-bas. Voilà, c'est ouvert. Ok. On fait pas le combat, parce que, bah voilà. On récupère... Non, y a rien. Attends, je sais pas si la porte est fermée. Non, la porte est pas fermée là. Ah, mais elle est fermée là-bas. Dommage. Le super bonbon. On a encore deux items à récupérer. Si je dis pas de conneries. Un interrupteur, oui. Ok, voilà. Donc normalement la porte s'est refermée là, mais c'est ouverte à côté. Et merde. Oh, Magmar. Il est dégueulasse, Magmar. Il a une paire de couilles sur la tête. C'est pas grave. C'est tout. 5 putains de PP. Bon, c'est pas grave. Oui, allez, c'est long. Ah, c'est vachement efficace, ouais. Ouais, mais il est pas très bon en spécial, Toto Gros. Je sais pas pourquoi je l'ai mis Blizzard. Je pense que c'est en dernier recours, hein. Tout simplement. Parce qu'il peut tanker et faire mal. Ouh là là, la petite flamèche. S'il me brûle, par contre, pas la joie. Bon, c'est bon. Magmar niveau 38, quand même, c'est quand même balèze, hein, j'ai envie de dire. Bon, on a vu quand même le gros tas de morts, voilà, ça fait de l'XP, c'est gratuit. Donc les portes sont restées ouvertes. Alors là, normalement, c'est l'ensoleil. Voilà, j'en ai besoin. Et on finit... Bordel ! Mmh. Oui, j'apprends de suite l'ensoleil à Swaglord. Oui. Parce que il faut qu'il oublie Trancherbe. Ouais, je garde Vampigraine parce que ça peut toujours faire pas mal de Poké petit à petit, même si on est dans Pokémon. Hein.
Nous utilisons le super bonbon sur Miracle, vu que j'en ai déjà donné un, ça veut dire qu'il a pas de niveau à prendre du tout. Donc il est niveau 36, c'est pas mal. La clé secrète, très bien. Objet, on se casse. Voilà, bon j'aurais pu faire tunnel, non, tunnel je pense pas. NON! Oh putain non. Alors j'espère vraiment qu'on va pouvoir voler à Cramozil parce que je l'ai atteint et que j'ai pas visité le centre Pokémon. Parce que sinon c'est la merde. Sinon je me retape tout le chemin. Oh putain. Vol. Ah yes. Très bien. Bon. Pokémon non, on s'en fout. On va de suite à l'arène. Voilà, bonjour. Alors je ne sais plus du tout comment se passe l'arène. Faut tous les buter? Est-ce qu'il faut tous les buter? Ouais, bon, on va tous les buter. on va monter le toto, gros. Mais il est con ou il fait exprès? Bon après j'aurai pas 15 000 surf donc bon on verra. il faut tous les battre? Je sais plus du tout. Mais ils font tout sur leurs mains, ils sont complètement cons quoi. Ok. Moi ça me va. Ah, il est beau. D'accord, Impec, Blizzard, c'est trop cool. Non, c'est parce que je... J'ai pas de spécial avec lui, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, coup de boule. Oh, mais hurlement, mais arrêtez. Bizarrement, coup de boule, lance, ça fait beaucoup plus mal. Hein. Voilà, bon, au revoir. Waouh, 1300 et quelques, pas mal. Allez, on a vaincu le pillard. Un géant, Gemera. Ouais, en fait, faut tous les buter. Quoi? Oh là là, mais comment ça lague? Oh là là. Ça va être chiant. Hein. Mon dieu, Intello fait appel à Ponyta. Oui, c'est exactement Ponyta. Bon, allez. Vu qu'apparemment, coup de boule, ça passe très bien. Pan. Bon. C'est horrible. Ça fait tellement mal. Ouais, mais putain, mais comment... Comment on fait? Salamèche, tiens donc, ça la merde. Eh, je suis laid. Tiens, bouffe-toi, surf. En fait, j'hésite à monter Mélodelf aussi parce que, bah, tout simplement parce que je peux one-shot les Pokémon. Et parce que, bah, comme ça, au moins, je suis sûr de gérer quelques dresseurs à. Sur. Comment ça s'appelle hein, sur le conseil des LOL. Tout simplement. Go PX, non. En fait, vous savez que j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû apprendre Blizzard à Ronflex. J'aurais dû lui apprendre autre chose. Parce que je viens de parler du conseil des 4 et je viens de me rendre compte qu'il me manque... En fait, il me manque un Pokémon pour la Ligue des 4, merde. Ah ben, je vais prendre Papy. Je prendrai Papy, ça sera très bien. Intello va appeler Caninos. Ouais, allez, on va changer un peu parce que... Hein... Blah. Regarde-le, il fait meh. Au revoir. Bon, je suis censé le one-shot. Désolé pour le bruit. Ah, voilà. Oui, voilà. Ah, oh, bah, coup critique parce que, bah. Pff, parce que miracle, écoute, hein, tout simplement. Intello dit. Oh non, ben.
Putain, sérieux, c'est relou, hein. C'est la pire des arènes, en fait. Obligé de tous te les taper. Bon, sauf un, parce que je l'ai esquivé, mais... Oh, ça va, il a comme Pokémon. Il se fout de ma gueule, enculé. Bon, bah écoute, surf, hein. Oh non, je perds de la force. Je vais pas pouvoir lui mettre des coups de boule. Parce que je sais pas si ça vaut le coup de lui faire surf. Si, bah si, c'est efficace, hein. Tout simplement. Au revoir. Ah ! Écrasement, tiens donc. Oh ! Ça pour faire un putain de rugissement. Évelant. Efflant même, je dirais. Efflant. Bon, ça donne pas mal d'XP quand même, hein, donc... Allez ! Oh mon dieu, 3 ans après, quoi, elle s'ouvre. Non, on va faire le tour. Hop là. Ah bah, on peut pas. Je sais pas pourquoi Auguste est devenu un dresseur. C'est vrai qu'Auguste, je crois que c'était un scientifique. Galoppa. Ouh, le swag. Bon, alors, Galoppa risque d'avoir plus de PV, donc on va le coup de boulet. Pas. Voilà, tout simplement. Et peint. Et repeint. Mon dieu, l'utilité du Galoppa, s'il te plaît. Enfoiré. Bon, ben c'est bien, au moins Toto Gros il prend des niveaux. Bon, les autres non, mais. Ouch. Oui, exactement, allez, casse-toi. Ouvre-moi. Merci. Putain, mais faut tous les taper, hein. J'ai bourlingué. Expression de 1802. Avant JC. Avant JC. Avant Jacques Chirac, évidemment. Avant John Cena. Merde! Je viens de m'en rendre compte! JC, c'est quand même John Cena. Oh là là. Oh! Goopix, qu'est-ce que tu me fais? On va au repos. Tout simplement. Ah oui, je fais dodo. Bon, j'espère que je vais pas passer 5 tours, parce que s'il me dégomme après... Ça sert strictement à rien, ce que j'ai fait. Mais je peux pas être... Waouh! C'est l'heure de se réveiller, comme disait dans les... Comment ça s'appelait? Ah. Dans je ne sais pas. C'est l'heure de se réveiller... Je sais pas. Je ne m'en souviens plus. Excusez-moi. Pour le Bayoman. Bayoman d'ailleurs qui est une bonne attaque pour certains Pokémon dans les... je crois qu'elle fait apparition dans la génération 3, mais je suis pas sûr. Je réfléchis. Ouais, je crois que c'était génération 3. Où tu t'endormais, mais que le mec aussi en face s'endormait. Ce qui était pas dégueulasse hein, en soi. Surtout qu'après, t'as quand même, dès la saison 2, t'as quand même quelque chose qui arrive pour Onflex qui s'appelle Ronflement, qui est quelque chose de très OP. Le mec vient de me dire quand même que l'eau c'est fort contre le feu. Ouais. J'ai envie de dire ouais. Il va mourir. Je savais. Oh! Dommage, Pokémon, je veux pas le faire mourir. Au pire, j'ai un rappel, mais bon. On va passer sur Miracle. Hein. Tiens, je vais t'écraser la face. Pam. Ah, Miracle, comme je t'aime. Miracle, comme je t'aime. Oui. Pas la musique. Hein. Au revoir. Oh, c'est tout? Je pensais que t'aurais plus de spécial que ça. Ah, c'est peut-être parce que c'est... C'est peut-être parce que c'est pas une attaque qui t'est propre, en fait. Miracle, n'est-ce pas? Oh, tu le savais? Non. Non, non. Je suis trop con. Ah, salut Auguste! Mon dieu, qu'il est dégueulasse. Oh non, j'ai laissé... J'ai laissé Ronflex en premier. Bon, tant pis. Bon, allez, c'est parti.
S'il faut, j'y suis allé en YOLO, je suis même pas allé soigner mes Pokémon pour... pour tout simplement avoir des PP enculés. Il va attaquer en premier, vous croyez? Ouais, voilà. Ah, je l'ai dans le fion. Non, je vais utiliser d'autres trucs pour l'instant, genre flash. On va voir ce que ça donne. Ah, il tape en premier, c'est cool ça. Putain, mais ce flash, mais à chaque fois que je le mets, mais c'est une réussite quoi. Il me fera toujours rire. Bonita, non. On recommence, hein, écoute, tant que ça fonctionne. Moi, je m'en bats les steaks. Ça évite de bouffer tous mes laser glaces, surtout. Au revoir. Auguste va appeler Galoppa. Bon, là, ça risque de piquer un peu plus, par contre. Hein. Genre, plus de deux tonnerres. Ah ouais, largement, ouais. Oh non, si j'ai la trouille, c'est mort. Eh ben non, je suis rapide. Je lui mets... Il me met quand même 10 niveaux dans la schneck, j'allais dire. C'est pas du tout... Ouais, il me met 10 niveaux et voilà, quoi. Je tape en premier avec des tonnerres. C'est beau. Au revoir. Bon, bah écoute, Flash, ça te fait un peu de niveau à toi aussi. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Auguste va appeler Arcanin. Oui. Par contre, Arcanin, je le veux pour Miracle. Il est beau. Enfin, bon, là, il est un peu dégueu, un peu teubé, mais le Pokémon est bon en soi. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va pas me faire trop mal non plus. Ça va. Là, je me sens mal. Là, je me sens mal. Oh oh. Comme on dit dans le métier, merde. merde. Gros merde. Ouais, bon, là, il me défonce. Ah non. C'est vrai que je suis rock, quand même. On s'en fout. Go. Oh, les... Même si ça fait pas trop de dégâts, on va essayer de le faire... Oh, quand même, hein, il se débrouille. Allez. TD. Allez. Mais arrête. C'est ridicule ce que tu fais. Et tu le sais en plus. Allez, refais-le voir. Oh, hurlement. Mais pourquoi ils ont hurlement? Ça, c'est quand même quelque chose qui me... Oh. Oh oui! Bon ben voilà, ben... C'était rapide. Oui, 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 oui! Je me suis fait vaporiser. Ben pourquoi pas. Par contre, déflagration, j'aurais bien aimé... En fait, je pense pas que j'en aurais besoin. C'est bon, je peux partir, très bien, au revoir. Parce que... Melodelf, elle a quoi? Elle a Blizzard, elle a Écrase-Face. Oh, Écrase-Face, on va l'enlever. Hein. On va mettre Déflagration à la place. Ouais, on va faire ça. Je vais changer mes... Non, je vais pas changer mes Pokémon encore. Bientôt. Non, le Sand Poké... Bon, on s'en fout, en fait, parce que vous savez quoi? On s'envole de suite. Ah non, je voulais voir un truc. 7.31, très bien. Bon, ben, j'en ai chié, encore une fois. Ralga, lui, il a mis moins de temps que moi pour faire Morgan Auguste. Pourquoi? Aucune idée. Ça me saoule. Bon, on va soigner, déjà. Oui, soin. Je mange du fjord, oui. Ah. Voilà. Oui, donc nous allons apprendre déflagration. Objet. On va le faire quand même, hein. Parce que c'est quand même une grosse attaque feu, ça peut toujours être utile, oui. On va la prendre, hein, miracle. Oui, on va oublier écrase-face. Voilà, épouette même. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Je voulais pas aller là. J'ai pas mal de choses... Bon, non, si, on le fera plus tard. On le fera dans un autre épisode. Quoique... Je sais plus quel genre de Pokémon c'est, la reine de Jadiel. Je sais pas pourquoi j'y vais à pied, tant pis. Elle est où la reine?
Oh putain, elle est tout en haut. C'est quoi Jadiel comme arène? Bon, je sais pas. Je crois que c'est Sol. Non? Bah enfin, peut-être Air Bizarre va servir à quelque chose. On va le mettre en premier. Oh merde. Je me souvenais pas du tout de ce ma... De... Voilà. Ouais. Bah, je m'en souvenais pas du tout. J'imagine qu'on va faire ça. Oh merde, je m'en souvenais plus du tout de cette arène. Ouais, j'ai géré. Donc vu que c'était celui du bas, on va prendre celui-là. Ah, c'est pareil en fait, dans tous les cas tu te fais baiser. Ah non. Haha. Est-ce que lui il faut le faire avancer? Je sais pas. Comme on dit dans le métier, YOLO. Ce que j'ai fait n'a servi strictement à rien. Bon. Et une boule. T'es sérieux, il te donne un rappel? Là on va y avoir un combat, ouais voilà. Bon, ça me permettra de voir quel Pokémon il y a. Avec style et... Ouais, je sais pas parler. Vos gueules. Avec style et élégance, top dresseur. T'appelles à Rhinocorp. Ouais, non, c'est Sol. Sol, mon cul, là. Allez, Swaglord, on peut le faire. Ah, faut le charger et le... merde, ça me plaît pas du tout. Je me souvenais plus qu'il fallait d'abord le charger et qu'après s'envoyer. Ça va, on s'enjaille. Oh merde, le bruit. Au revoir. Putain, déjà. Ah oui, mais il faut encore qu'il monte de niveau, lui. Il me faut la poudre dodo, là. Il manque 3 niveaux. Merde, lui, il est au milieu ou pas? Mais oui, c'est lui qui est au milieu, je crois. Je sais pas. Ben non, il est où? Il est tout en haut. Ouais, il est tout en haut, non? Ouais, je crois. Oh mon dieu, je ne sais plus du tout. Je suis paumé dans cette arène. Karateka. Donc lui, il va m'envoyer des trucs combat. Merde. le type combat, c'est pas mon truc. Oh là là. Parce qu'ils font trop mal, en fait, tout simplement. Et ils font toujours des coups critiques, ces fils de Shang. Ah non, je suis mort. Ah non, c'est pas efficace. Tiens, crève. Voyons si ça s'allait efficace, connard. Bon, bah ouais. Machoc. Bah non, c'est Machoc, quoi. Bah, il va faire un coup critique à tous les coups. Attaque plus. Bon, bah écoute, c'est fini. Hein. Adieu. Pas. Ouais, l'ensoleil que t'apprends niveau 60 et quelques quand même avec... avec Swaglord, là. Donc non, bizarrement, je vais pas attendre. J'ai préféré lui apprendre de suite parce que c'est la plus grosse attaque plante du monde. Je crois. Enfin, de la première saison. Après, peut-être qu'il y a mieux. Il y a Nœud d'herbe, non, qui fait bien mal aussi. Oh, t'es sérieux? Merci d'avoir fait puissance. À ceci, je réponds. Méga cherché. LOL. Merci beaucoup. Gros combat. Eh, mais au final, ça passe, hein. Ça fait monter. Ça fait rire les oiseaux aussi, hein. Ça fait chanter les abeilles, tout ça. Bon. Waouh! On va pas prendre le tapis parce que bah, ça met 3 ans. Je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Ouais, c'est ça. Salut Giorgio! Bon, on va garder, comment il s'appelle, Florisa en premier. Moi, le grand Giorgio. Giovanni de Barilla de Panzani delle Confetti. C'est lui. Par contre, lui, il va me mettre une bite. Ah, pas forcément. J'attaque en premier, quand même. C'est incroyable.
Oh, ça va me soigner. Ah, c'est génial. J'aime ce jeu vidéo. Trio Picker, bon, on va faire la même. J'avais dit que mon Florizarre y servirait un jour. Oh non, pas ça. Ça va. Oh non! Je suis capable d'attendre un tour, quoi. Oh, oh! Allez! Voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire chier. Voilà, merci. Ouais, j'ai fait exprès parce que voilà, ça me saoulait. J'avais vraiment pas envie de dépenser mes PP pour ça. Nidoqueen, là par contre je risque de souffrir. Nidoqueen, 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 Nidoqueen. Miracle, on va voir. Parce que Nidoqueen, j'ai du mal. Salaud. Oh, c'est très efficace! Ça veut dire qu'il doit être sol. Ouais, il est sol poison en fait, ce Pokémon. De merde, j'ai oublié de dire. Oh bah tout va bien, je vais garder Miracle. Hein. Même s'il faudrait quand même que j'utilise... Ouais, mais c'est parce qu'il est poison que je peux pas le taper avec... avec l'autre turn, là. Giovanni va appeler Nidoking, donc non, je change pas. Regarde comme il est laid. Oh, ça va encore dans la première... Oh merde, Mania, ça fait quoi déjà? C'est combat, ça? Merde, non! Ah non, c'est pas du tout, en fait. C'est juste que ça fait chier. Ah, merde! Mania, c'est quoi? Je sais pas. Toto Gros, aide-moi. Il va encore cogner à fond ou pas? Ouais, merde. J'espère qu'il va pas me tuer parce que... Ouais, non, ça va, j'ai un gros tank. Je suis désolé, Mélodelphe, je pensais pas qu'il ferait aussi mal. Très très efficace. Ah oui, c'est vrai qu'après Mania, il devient fou. J'avais complètement zappé ça. Putain, il fait mal, ce con. Au revoir. Et il y a qui en dernier, Rhinophéros? Oh putain, enfin! Oui! On oublie coup de boule. Un de poète. Ah, plaquage. Bon, mais ça y est, j'ai fini pour Toto Gros. Va appeler Rhinophéros. Oui, on va reprendre Swaglord. Ouais, salut. Enculé, niveau 50. Bon, tu vas me dire, ça va m'habituer aux Pokémon que je vais rencontrer plus tard. Nous rayonnons pour la clarté. Allez, Vlan. Il a failli me one-shot, hein. Et au final, c'est moi qui l'ai fait, au revoir. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ouais, on va s'arrêter, ouais. On va s'arrêter. Est-ce qu'avant, je fais du shopping? Ouais, je vais faire du shopping. Je vais aller à Céladopol parce que j'ai vraiment pas mal à faire. Oui. C'est quoi, ça? Abîme. Est-ce qu'on... Alors, grosse question, c'est est-ce qu'on prend le temps de faire... d'apprendre Abîme à un Pokémon et donc d'aller sur du coup de bluff, parce que ça a quand même que pas beaucoup de pourcentage de réussite. Ouais, je sais pas. Pokémon, vol. On va à Celado. Mais pourquoi je vais là-bas, me dites-vous? Ben, parce que j'ai du shopping à faire. Du gros shopping. Bon, d'abord, on va les soigner, au moins ça sera fait. Même si on retourne après à Jadiel. Et j'ai quand même... Ouais, j'ai pas mal de choses. Ouais. Je sais pas parler. Non, on va pas prendre Abîme. Par contre, on va aller chercher Boulement. Ça peut toujours être bien. Bon. On va essayer de retirer... Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va essayer de retirer le plus de Pokémon... d'objets possibles. Ouais. Ah d'accord, bon bah l'inventaire est plein, donc ça sert à rien, super. Et puis je perds du temps encore une fois, mais c'est pas grave, écoute, je serai second.
Pauvre Jacques. Pauvre Jacques. Il s'est tellement planté sur un épisode. Franchement, ça m'a fait de la peine. Mais je voulais pas l'aider. Non, je veux vendre. Je veux vendre ça. Parce qu'au final, j'en ai pas besoin. Je veux vendre mon Ulmax. Parce qu'au final, j'en ai pas besoin. Je veux vendre ça. Non. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà, je veux vendre ça. Mes rappels, je les garde. Ma carte sortie, on la vire. Mon super repos, je le garde. Ma pépite, on la vire. Ma CT06, au revoir. Je sais plus si j'en avais besoin ou pas, mais fuck off. L'hyper potion, on va la garder. La Master Ball, elle se vend pas. Ça, c'est quoi ça? Je sais plus. Fuck off. Et ça, c'est abîme. On s'en fout. Voilà. Donc maintenant, on va aller. Mais casse-toi! Connasse! Alors, c'est lui ou pas? Non, c'est pas lui. Je crois que ça vend pas à cet étage et que je m'étais déjà fait baiser la gueule une fois. Oui. Est-ce que c'est là? Bonjour. Non, c'est pas là. C'est là alors? Non, ça doit être là, oui. Ouais, c'est ça. Alors, on va prendre 2 PV+, 2 protéines, 2 fer, 2 carbone, et 2 calcium. Voilà. Ensuite, objet, on est parti. Alors, PV+, miracle. PV+, Totogro, je sais c'est pas du tout, c'est pas génial ce que je fais mais je m'en fous. Protéines, miracle. Protéines, Totogro. Non, on voit pas du tout les Pokémon que je préfère mettre en avant. Hein. Fer, Totogro. Fer, miracle. Ah là là. Mais vous dites, mais pourquoi il fait ça? Bah c'est pour la suite, voyons. Totogro. Voilà. Et enfin, le calcium. Miracle. Surtout miracle. Mais Totogro aussi, il en a besoin. Voilà. Donc ça, c'était pour dépenser tout le fric, parce que bah, les rappels, tout ça, on en a. Et au pire, de toute façon, il y aura des dresseurs sur la route victoire, hein, donc fuck off, comme on dit dans le métier. En parlant de route victoire, on va se TP à Jadiel et on va se quitter là, tout simplement. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Pokémon Bleu. En attendant, vous avez toujours mes collègues qui vous font la suite sur Pokémon Rouge et Pokémon Jaune. Moi, je mange à Yabal sur Pokémon Bleu, c'est pas grave. Je serai second ou troisième à la course, c'est pas grave, je me serai bien éclaté. Mais de toute façon, les dés ne sont pas encore jetés vu qu'il y a le conseil des quatre et qu'on est tous... Enfin, tous. Quand Alga et moi, on est vraiment sous level et que ça va vraiment se jouer à un poil de cul près. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. On va se quitter exactement ici. Allez, ciao tout le monde.